Siamo con Alberto Toscano, che è una persona che il nostro pubblico conosce benissimo perché è già stato il protagonista di almeno 4 o 5 video per l'Italian Directo. Quindi, siamo di nuovo con lui perché, come sapete, Alberto è, oltre a un giornalista ben noto, ma è anche e soprattutto uno scrittore, è uno scrittore molto prolifico che ha appena pubblicato un libro, che vedete qui, su un personaggio che è un personaggio veramente molto importante nella storia della politica del primo Novecento. Comunque, visto che il libro è scritto in francese, io direi di fare questa conversazione in francese. Voilà. Alors, je disais que le personnage dont vous publiez cette biographie est un personnage incontournable de la vie politique européenne, on pourrait dire même mondiale, presque dans les premières années du XXe siècle. Et elle s'appelle Angelika Balabanov et elle a aussi, disons, quelques caractéristiques qui la relient à notre époque parce qu'elle est ukrainienne, d'un sens, et juive. Et donc, en ce moment où on parle beaucoup de l'Ukraine et encore plus d'Israël, c'est un personnage qui... Sans doute, mon cher Paolo. Et d'accord, pour parler français... Je pense qu'on peut se tutoyer même ici, oui, compte tenu qu'on se tutoie dans la vie réelle. On se connaît depuis 1977. J'étais venu à Paris pour fréquenter un stage de journalisme à l'école de journalisme de Paris. Et, ne préciserai pas les dates, parce que ça donne une idée de notre âge. Donc... Ça donne une idée de notre âge, et heureusement qu'on est là, et je suis fier de te connaître. Depuis si longtemps. Et donc, le personnage d'Angelika Balabanov est tout à fait particulier. C'est vrai que c'est un personnage actuel, ukrainienne, juive, russe, socialiste, militante, engagée, polémique, cohérente, déçue. C'est la politique dans son ensemble, avec cet esprit moral. Elle voit la politique par le prisme de la morale. Lénine, qui était l'un de ses grands amis, l'appelait la moraliste incommode. C'est un personnage tout à fait particulier, né près de Kiev, on ne sait pas quand exactement. Oui, parce qu'elle trichait un peu sur sa date de naissance. Bon. Mais c'était entre 1869 et 1878. Fort probablement 1870. D'ailleurs, c'est elle-même qui l'a dit. Une marge d'une dizaine d'années, en fin de compte. Oui, dont elle caractérise la vie politique européenne, en particulier entre 1900 et 1930. Oui, c'est voilà. Ça. Et alors, donc, vous l'appelez la grand-mère du socialisme parce qu'elle était effectivement un personnage de premier plan dans les mouvements et les partis socialistes européens du début du XXe siècle. Si je peux me permettre, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est Jacques Nobécourt. Ah bon? Qui, quand elle meurt à Jacques Rome... Jacques Nobécourt, anciennement correspondant du Monde à Rome. Oui, personnalité de tout, oui, premier plan du journalisme français et de la littérature politique française, ouais, hein, correspondant en 1965, quand Angelika meurt à Rome, parce qu'elle adorait l'Italie, elle vivre à Rome. Elle meurt complètement oubliée. Complètement oubliée, complètement, ouais, oubliée. Il la ressuscite dans un grand papier pour Le Monde et il dit qu'elle était la grande mère du socialisme. Donc voilà, vous avez repris cette formule de Jacques Nobécourt. Il y a aussi dans votre livre, on voit qu'elle avait des rapports assez serrés, disons, avec
cinq autres femmes, qui étaient cinq de ses amies, et qui étaient toutes dans l'action politique. Alors, ce que je voudrais, de gauche naturellement, c'était oui, toujours oui. À gauche, ce que je voulais vous demander, c'est à quoi est due cette irruption des femmes dans la vie politique, dans la politique, à une époque où les femmes en Europe n'avaient pas le droit de vote, en Europe et dans la plupart des pays du monde, en tout cas dans les pays européens, elles n'avaient pas le droit de vote et elles n'avaient presque aucun droit, n'est-ce pas? Alors pourquoi cette irruption dans la vie politique? Et irruption jusqu'à un certain point, Paul, parce que, en effet, leur poids dans l'intérieur des forces politiques européennes était fort limité. Angelica doit se battre pour avoir une position, pour compter quelque chose. Et Anna Kulishoff, elle aussi, née en Ukraine, oui, elle est née en Crimée. Elle aussi, dans la seconde partie du 19e siècle, elle aussi triche sur son âge. Elle est née vers 1855-57, par là, et qui crée le Parti Socialiste Italien en 1892 avec Filippo Turati, son compagnon de l'époque. Et elle est considérée d'une position marginale. Mmh. Par rapport à Turati, à l'intérieur de la force politique qu'elle-même a contribué à créer de façon déterminante. L'irruption des femmes, c'est vrai, mais l'irruption des femmes au milieu de mille difficultés. Bien et sûr. On le voit dans les partis de tous bords politiques, toujours considérés secondaires par rapport aux hommes. Oui, mais pas vraiment toutes, parce que par exemple en Allemagne, Rosa Luxembourg était déjà plus... plus importante, plus, oui. Enfin, je veux dire, elle avait moins d'hostilité en tant que femme, n'est-ce pas? Si, mais elle a dû se battre pour avoir cette position. Oui, elle a même été assassinée. Se battre pour avoir pour la nationalité allemande, d'ailleurs, qu'elle a obtenue par un mariage blanc. Et Rosa Luxembourg, autre personnage extraordinaire, effectivement, j'ai consacré ce livre à la mémoire des cinq amis d'Angelika Balabanov. Et je veux le citer parce que c'est une des femmes extraordinaires. Anna Kulishoff, Maria Giudice, Rosa Genoni, Rosa Luxembourg, Emma Goldman. Cinq femmes qui se sont battues contre vent et marée pour affirmer leur principes, leurs idées et leurs idéaux. Et je crois que, à part le cas d'Anna Kulishoff, on peut faire d'autres exemples des femmes de l'époque, mais dans la réflexion d'Anna Kulishoff, il y a un concept, à mon avis, fondamental. La femme est protagoniste de la révolution industrielle. Elle n'est pas seulement protagoniste de la vie de famille et tout ce qu'on dit toujours. Elle est protagoniste de la révolution industrielle parce que, dit Anna Kulishoff, les entrepreneurs, en particulier du secteur textile, pensent que la femme est utile, exploitable dans l'industrie parce qu'elle s'adapte à la machine. Ils pensent que la femme s'adapte plus facilement à un travail à la machine. Qui plus est, elles sont payées beaucoup moins que les hommes. Eh oui. Et qui plus est, elles ont des difficultés à cause d'un héritage culturel, peut-être, dit toujours Anna Kulishoff, de s'organiser. Et Anna Kulishoff conclut, la force de la femme dépendra de sa capacité de s'organiser sur le plan général, associatif. Seulement par un grand mouvement de femmes, les femmes seront capables de défendre leurs droits. Elles ne peuvent pas déléguer leurs droits à des organisations traditionnelles. Elles doivent créer de nouvelles organisations de femmes. Et elles créent un journal pour les femmes. La Difesa delle Lavoratrici naît à Milan en 1912. La défense des travailleuses. La défense des travailleuses avec Angelika Balabanov. Anna Kulishoff et Angelika Balabanov, deux juives, nées en Ukraine, arrivée en Italie,
créent ensemble à Milan en 1912 un journal qui paraît deux fois par mois pour défendre les problèmes spécifiques des femmes au travail et des femmes dans la société. Alors, peut-on dire pour autant qu'elles étaient féministes avant que le mot féminisme devienne fût utilisé comme ça, comme aujourd'hui? Elle en parle de ce mot. Et elle parle du problème fondamental de l'époque du point de vue d'une grande partie des femmes, en particulier des femmes des classes les plus aisées, c'est-à-dire le problème du droit de vote. Mmh. Et toutes ces femmes, qu'il s'agisse de Emma Goldman, de Angelica Balabanov, de Anna Kulishoff, de Rosa Giannoni, de Rosa Luxemburg, disent, et en effet, évidemment, que le problème du droit de vote pour les femmes est capital. Mais ils rajoutent, ça ne suffit pas. Et regarder le problème du droit de vote en tant que tel, sans le mettre en relation avec le reste des problèmes de la société, des problèmes du monde du travail, risque le regarder d'une optique, elles disent, bourgeoise. Mmh. Et donc, elles disent, oui, évidemment, se battre avec toute la volonté, la détermination du monde pour les droits de vote des femmes, mais éviter à tout prix d'isoler ce problème du reste des problèmes qui regardent les femmes dans la société, et en particulier, elles disent, des femmes au travail, des femmes dans les usines textiles. En Italie, en Suisse, en Angleterre, en France, une énorme partie, une partie prépondérante de la main-d'œuvre ouvrière dans les usines textiles est composée par des femmes. Alors, Angelica Balabanov et ses amis ont été de toutes les révolutions, de toutes les luttes sociales, de toutes les controverses intellectuelles et idéologiques du début du XXe siècle. Si on va regarder dans ce domaine, on en trouve forcément soit une, soit toutes, on les trouve dans ces choses. Alors, dans ce domaine, dans ces circonstances, il faut parler du rapport de Angelica avec Mussolini, parce que si j'ai bien lu ce que vous écrivez dans votre livre, sans elle, Mussolini n'aurait pas existé. Ben, c'est Mussolini qui l'a dit. Hein. Mmh. Un jour, Mussolini avoue, il est déjà le potere, il est déjà le duce. Mmh. et il dit, sans Angelica Balabanov, j'aurais été un révolutionnaire du dimanche. Mmh. Et il se rencontre à Lausanne, dans le tout début du siècle, il est 1903, et Mussolini a quitté l'Italie pour échapper au service militaire, et pas pour des grands idéaux. Et il est allé vivre en Suisse, il travaille peu. Il travaille dans le bâtiment. Il fait des petits travaux dans le bâtiment, et qui fait fort mal volontiers. Oui. Et il a un sens de frustration. Et il habite, il vit à Lausanne, et c'est là que Angelica Balabanov, qui elle est chargée par le Parti socialiste italien de faire le travail politique au milieu de migrants italiens en Suisse, elle est entre Saint-Gall, Lausanne, Genève, Lugano, et elle voyage tout le temps, et elle rencontre à la fin d'une conférence sur la Commune de Paris, conférence faite par Angelica Balabanov à la Maison du Peuple de Lausanne. Elle rencontre un jeune qu'elle considère comme un marginal, très mal habillé, avec l'air très sombre et tout ça. Et elle demande, mais quel est son nom? On lui dit, il s'appelle Benito Mussolini, il vient de Romagne, il est fils d'un militant socialiste, mais là, on l'aide un peu parce qu'il travaille très peu, il ne sait pas quoi. Qu'est-ce qu'il veut faire, il dit qu'il est malade et tout ça. Et c'est comme ça que cette grande amitié, fort probablement bien plus qu'une amitié, commence entre Benito, le jeune Mussolini, militant de gauche, et Angelica Balabanov, qui est un peu l'intellectuel de la gauche italienne en Suisse. Et il rentre en Italie,
peu de temps de distance l'un de l'autre, et il devient le chef de l'aile gauche du Parti socialiste. Oui. De la gauche du Parti socialiste, et ensemble, ils marginalisent les réformateurs du Parti socialiste, ils considéraient la droite, certains sont exclus, et il prend ensemble le contrôle du quotidien du Parti socialiste, l'Avanti, entre le congrès socialiste de 1912 et ensuite 1913. À cette période, ils ont le contrôle du quotidien du Parti socialiste à Milan. En réalité, Mussolini est le directeur numéro un et Angelica est son bras droit numéro deux, qui s'occupe de toutes les choses les plus délicates que Mussolini ne veut pas traiter. Et ensemble, il amène le quotidien du Parti socialiste à avoir un beau succès commercial. Les ventes, les abonnements augmentent. Et l'Avanti est pour Mussolini un tremplin vers une grande carrière politique. Par contre, du point de vue d'Angelica, c'est une expression d'une affirmation d'idéaux. Alors, en particulier, un idéal, le pacifisme, la paix. Et c'est là qu'il y a la grande rupture entre Mussolini et Angelica Balabanov. Au moment où les socialistes en Italie, en France, en Allemagne, en Europe doivent choisir entre paix et guerre, entrer ou non, soutenir ou non l'entrée de la Première Guerre mondiale, en France, Jean Jaurès paye l'idéal de la paix par sa vie, en Italie, Angelica Balabanov paye la cohérence avec son idéal par la rupture avec Benito Mussolini, qui est exclu du Parti socialiste, et ensuite, on connaît la suite, l'Italie entrera en guerre et la tragédie de la guerre sera à l'origine d'une autre tragédie, celle du fascisme. Mais là, ça sera un autre Mussolini. Le même Mussolini, mais un autre Mussolini. Rappelons que dans votre avant-dernier livre, n'est-ce pas, vous racontez comment Mussolini a été financé par la gauche française pour son journal, n'est-ce pas, parce qu'il avait été expulsé de l'Avanti, et il avait fondé un quotidien, Il Popolo d'Italia, qui était interventionniste. Et c'est pour ça que, la gauche française, la gauche de gouvernement, avait mis son regard sur lui en disant ben, il faut aider sa cause pour que l'Italie entre en guerre et qu'on puisse avoir un deuxième front, n'est-ce pas, pour soulager le front. On peut revoir un instant des dates, des repères historiques. Et juste après l'attentat de Sarajevo du 28 juin 1914, un mois après, l'international socialiste se réunit à Bruxelles. Et dans le sommet de l'international socialiste, dans les deux structures au sommet de l'international socialiste, il y a 65 membres européens. Parmi ces 65 membres, il y a deux femmes. Rosa Luxemburg, née en Pologne, devenue allemande, mais là elle représente la Pologne, et Angelica, qui représente le Parti socialiste italien. Ils se réunissent à Bruxelles, ils parlent de paix à un moment où la guerre est en train de commencer. Jean Jaurès est à sa dernière réunion internationale, là, à Bruxelles. La guerre commence, l'Italie est neutre. Et la France est en guerre, l'Allemagne est en guerre, mais l'Italie est neutre. Elle le restera jusqu'au printemps 1915. Et pendant cette période, la France, et c'est un gouvernement de l'Union sacrée, et la gauche fait partie de ce gouvernement. Jules Guesde a une position importante, qui est la gauche de la gauche française. Il était marxiste. fait partie des ministres de ce gouvernement, dont ils font, exercent des pressions sur la gauche de la gauche italienne, pour faire en sorte qu'au nom des idéaux du risorgimento de l'unità nazionale italienne, parce que Trieste et Trente ne sont pas encore italiennes, et sont autrichiennes, l'Italie entre en guerre à côté de la France. Et c'est là qu'il y a la rupture entre Angelica Balabanov, qui avec
la majorité du Parti socialiste est pour le maintien de la neutralité italienne, pour la paix, et Benito Mussolini qui devient favorable à l'intervention dans la guerre. Et à partir de là, il y a la rupture définitive entre les deux, et aussi la rupture entre deux femmes. Entre Angelica Balabanov, très liée jusque-là à Benito Mussolini, et la maîtresse. C'est un nom horrible. Oui, qu'est-ce qu'il y a un synonyme? L'amante. Marietta Sarfatti, qui était elle aussi rédactrice de la défense de la lavoratrice, la défense des travailleurs. Des travailleuses. Et avec Angelica et Anna Kulishoff, mais qui commence à avoir une relation tout d'abord professionnelle et bientôt très personnelle avec Benito Mussolini. Et entre ces deux femmes, Margherita Sarfatti, qui est interventiste de la Première Guerre mondiale, et Angelica, qui est neutraliste, il y a une antipathie personnelle qui frôle la haine parfois et qui se manifeste aussi par un langage et par des affirmations manifestées, exprimées même beaucoup plus tard, qui sont franchement très peu sympathiques entre ces deux femmes qui sont Angelica et Margherita Sarfatti. L'histoire sera tragique pour Margherita, parce qu'elle perdra un fils qui aura l'âge de seulement 18 ans dans la Première Guerre mondiale, et elle sera elle-même victime des lois raciales voulues par Benito Mussolini en 1938. Elle devra quitter l'Italie, dont deux femmes juives, intellectuelles, l'une neutraliste et l'autre interventionniste, qui se bat à l'époque de l'intervention de l'Italie de la Première Guerre mondiale, qui polémique entre elles et qui n'arrête pas de se détester pendant le reste de leurs jours, et qui meurt à peu de temps de distance, beaucoup après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et bon, c'est à partir de ça, n'est-ce pas, que Angelica commence à parler de Mussolini comme d'un traître. Oui. Pour elle, c'est un prêtre, c'est un homme malhonnête. Alors, Angelica, moi, en écrivant ce livre, j'ai utilisé évidemment en premier lieu les textes écrits par Angelica. Oui, alors, j'ouvre une petite parenthèse. L'originalité de ce livre, entre autres choses, c'est qu'il y a là des fragments d'interviews, une longue interview, publiée, écrite par fragments dans différents chapitres, longue interview de Angelica Balabanov et interviewée par qui? Par Alberto Toscano. Bon, alors, ce ne sont pas... C'est l'originalité du livre, c'est que ce ne sont pas des interviews inventées, mais c'est une longue interview virtuelle basée sur des textes, des écrits de Angelica. Oui, j'ai voulu écrire un livre qui est un roman vrai, dont c'est un livre, c'est la vraie histoire d'Angelica Balabanov, mais je ne voulais pas faire un livre d'histoire classique, une biographie classique, avec toutes les notes, avec toutes les choses. J'ai voulu faire un livre... j'espère qu'on peut lire avec un certain plaisir. Donc, une histoire racontée, et alors j'ai utilisé des moyens qui sont peut-être un peu... disons, pour parler de certaines femmes, en particulier Angelica, mais aussi Anna Kulishoff, j'ai... pris leurs textes, leurs vrais textes. Je n'ai rien rajouté ou enlevé de leurs textes. J'ai choisi des parties de leurs textes et je les, plutôt que les mettre à l'intérieur d'un texte de 200 pages, j'ai choisi ces phrases comme, et je les ai publiées comme réponse à mes questions de journaliste. Comme si moi, journaliste, j'interviewais Anna Kulishoff et Angelica. Et aujourd'hui, oui.
Et on découvre, entre autres, que leurs phrases sont d'une actualité extraordinaire. Oui. Hein? Non, non, mais tu as inventé les questions, mais pas les réponses. Les réponses sont... Oui. Non, mais c'est ça ce qui rend le livre très original. Mais alors, revenons donc à la vie d'Angelica. Donc, lorsque l'Italie entre en guerre, elle est naturellement, elle s'est complètement dissociée de Mussolini et des amis de Mussolini, et elle se rapproche à ce moment-là des communistes, et qui ne s'appelaient pas encore communistes, n'est-ce pas, mais bon, de l'aile, disons, plus... voilà. Et notamment, elle arrive à jouer un rôle dans la révolution russe, parce que quand Lénine rentre en Russie grâce aux Allemands, avec le fameux train plombé, n'est-ce pas, organisé par les Allemands, qui traverse toute l'Allemagne pour arriver en Russie, la Russie qui était en guerre avec l'Allemagne à ce moment-là, n'est-ce pas. Donc les Allemands organisent le retour de Lénine en Russie pour, justement, ils espèrent, et ça arrivera, qu'il y aura une trêve, qu'il y aura un armistice avec la Russie si Lénine arrive au pouvoir, n'est-ce pas, Lénine et les siens. Donc, elle rejoint ce mouvement, elle ne rentre pas exactement avec Lénine, Lénine rentre dans le train plombé, elle rentre dans un train suivant, n'est-ce pas. Mais il se retrouve à Saint-Pétersbourg, où là aussi, elle joue un rôle peut-être un peu secondaire, mais quand même un rôle important, n'est-ce pas, qui a été lui aussi oublié. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tout le personnage d'Angelica est oublié. Il y a une damnatio memoria quelque part. On ne veut pas parler de cette femme. Elle gêne tout le monde, en effet. Elle gêne toutes les forces politiques, parce qu'avec sa cohérence, sa passion, son moralisme, elle a polémiqué un peu avec, à droite et à gauche. Hein. Et donc, on est en 1915, printemps 1915, l'Italie entre en guerre comme alliée de la France, de la Russie et du Royaume-Uni. Et les États-Unis ne sont pas encore en guerre. Et elle a un passeport russe, mais elle est anti-guerre, une socialiste engagée anti-guerre, dont en Italie, elle ne peut pas rester, elle va vivre en Suisse. Ensuite, en Suisse, elle retrouve des personnes qu'elle avait rencontrées pendant son premier séjour, en Suisse, en 1903-1904. Et elle retrouve en particulier Lénine. Et il se voit souvent, et entre les deux, il n'y a certainement pas un lien de nature autre qu'amicale et politique, mais elle s'apprécie beaucoup, elle collabore beaucoup. Et donc, en Suisse, Angelica organise la conférence pacifiste de Parti socialiste européen qui accepte encore de militer pour le pacifisme, dont il y a quelques Italiens, mais les Italiens ont les mains liées parce que l'Italie est en guerre, et surtout des Suisses, et surtout des Suisses, et des socialistes des pays neutres. Et donc, elle collabore avec Lénine. Février 1917, il y a la première révolution, la révolution de février, dont la Russie devient un pays qui commence à croire un changement, à croire en démocratie, à croire à la fin du régime des tsars, et c'est là que certains révolutionnaires russes pensent rentrer à Saint-Pétersbourg, à Moscou, et c'est là que le moyen est un accord secret avec l'Allemagne. Voilà. Dont, comme tu as dit, comme vous avez dit, Paolo, le premier, le premier train est le train de Lénine et de ses proches collaborateurs, et ensuite il y a un deuxième train. Angelica arrive en Russie, c'est la révolution, c'est le grand moment du changement, et c'est là que le nouveau régime de Lénine choisit
Angélica Balabanov comme la première secrétaire générale de l'Internationale communiste. Communiste, la, non plus socialiste. Non plus socialiste, dans la troisième internationale, ouais. Le Comintern. En 1919, elle devient la secrétaire générale. Elle devient secrétaire générale parce que, en tant que chef du pacifisme socialiste, elle avait déjà des relations internationales que Lénine voulait mettre en valeur. Donc Lénine, en réalité, veut exploiter les contacts, l'agenda, on dirait aujourd'hui, d'Angélique. Mais alors, elle, donc, en Russie, la révolution donc, est un succès, la Russie conclut un armistice et puis la paix avec l'Allemagne, et la révolution se consolide en Russie. Mais Angélique est l'une des premières personnes, en tout cas du milieu politique communiste et de gauche russe, à comprendre la dérive, à voir la dérive absolument autoritaire et répressive du régime communiste. Exactement, exactement. Elle le voit à l'occasion de plusieurs épisodes. Et l'un de ces épisodes est spécialement intéressant, à mon sens. C'est-à-dire, il y a une délégation du Parti socialiste italien qui arrive à Russie, hein, dans la Russie désormais révolutionnaire, et cette délégation est hébergé avec grands honneurs en Russie, mais Lénine et ses collaborateurs veulent en réalité diviser le Parti socialiste italien pour créer une force politique très loyale et fidèle, hyper fidèle à la nouvelle Russie. Et donc ils choisissent dans cette grande délégation des membres des socialistes italiens qui sont disponibles à devenir les hommes de Moscou en Italie. Et l'une des personnes qui sont, dans un premier temps, mais lors de ce voyage, choisie comme homme de Moscou est le célèbre Bombacci, qui participera avec des personnes bien plus dignes que lui, comme Gramsci et comme Angelo Tasca et comme Umberto Terracini, à la fondation du Parti communiste italien au congrès de Livourne en janvier 1921. Mais cette personne dont je parle, Bombacci, aura un avenir très particulier parce qu'ensuite, plus tard, sera exclu du Parti communiste italien. Il deviendra fasciste, l'un des plus proches de Mussolini pendant la période de la collaboration avec l'Allemagne entre 1943 et 1945. Il sera fusillé à la libération fin avril 1945, et son corps sera pendu par les pieds à Piazzale Loreto. Avec celui de Mussolini. Avec celui et de celui Mussolini. De Claretta Petacci. Malheureusement, parce que ce n'est pas plus belle page de l'histoire d'Italie, et avec aussi celui de Claretta Petacci. Il y avait une chanson à l'époque, je ne sais pas si vous la connaissez, « Me ne frego di Bombacci ». Bon, et alors, donc, après tout ça, ce qui s'est passé en Russie, ce qui se passait en Russie au début de la Révolution, au début des années 20, elle commence aussi à accuser Lénine de trahison. Donc, il y a eu la trahison de Mussolini, il y a eu la trahison de Lénine. Elle s'est rapprochée de Trotsky, je crois. Elle était déjà grande amie de Trotsky. Hein? Trotsky, lui aussi, Trotsky s'appelle Bronstein, hein? Lev Bronstein, lui aussi juif de l'Europe, de l'Empire des Tsars. Hein? Lui aussi venait d'Ukraine à l'origine. Hein? Et donc, elle connaissait Trotsky depuis l'époque de la Suisse. Hein? Trotsky, lui aussi, est rentré en Russie au moment de la Révolution. Ce n'était pas de la même mouvance révolutionnaire que Lénine, parce que Lénine était des bolcheviks et Trotsky était des mensheviks à l'origine. Mais enfin, Trotsky devient l'homme fort du pouvoir, dans le sens qu'il est chef de l'armée. Et en tant que chef de l'armée, Trotsky déçoit Angélica, parce qu'Angélica voit
certains actes de répression, la répression de Kronstadt, la répression, les pouvoirs bolcheviques, les pouvoirs de la nouvelle Union soviétique, est un pouvoir qui exerce une répression sanglante à une époque de guerre civile, à une époque d'intervention internationale contre les pouvoirs révolutionnaires. C'est un moment absolument tragique. La ville de Kiev change de pouvoir 14 fois en quelques mois. Et l'Ukrainienne, Angélique, est envoyée par Lénine en Ukraine pour montrer que le pouvoir soviétique est proche de l'Ukraine. Et il y a la naissance d'une éphémère république socialiste soviétique d'Ukraine. Et Angélique est nommée par Lénine ministre des Affaires étrangères de cette république d'Ukraine socialiste. Enfin, c'est un moment dramatique et Angélique se trouve au milieu de ce monde en pleine évolution, mais évolution parfois très sanglante. Et alors, donc, finalement, ses rapports empire, ses rapports avec Lénine et avec les dirigeants socialistes, communiste, je veux dire, de l'Union soviétique, ses rapports empirent à tel point qu'elle décide, j'ouvre une petite parenthèse, plus tard, je crois, elle dira que finalement, le vrai responsable de ce qui s'est passé en Russie par la suite, incarné par Staline, mais le vrai responsable, c'était Lénine, et que Staline était une créature de Lénine. Oui, je ouvre moi aussi une contre-parenthèse. Angélique est une personne sincère et parfois un peu exubérante dans ses écrits. Hein? Et elle a beaucoup écrit. Et dans ses écrits, articles, livres, elle exprime sa sensibilité du moment. Et donc, le livre sur Lénine est publié en 1959 en Italie. Par une maison, petite maison d'édition liée au Partito Socialdemocratico de l'époque. C'est l'Angélique de la toute dernière partie de sa vie. C'est l'Angélique manifestement pro-américaine et anticommuniste. Donc, dans le livre sur Lénine, elle dit des choses qu'elle pensait déjà, mais elle le souligne trois fois. Et la grande accusation qu'elle fait à Lénine est que Lénine, selon elle, a des responsabilités dans ce qui s'est passé après sa mort avec l'affirmation du pouvoir stalinien. Bien sûr. Alors donc, c'est là que finalement, elle, malgré tout ce que Lénine lui offre, parce qu'il lui offre des postes importants, n'est-ce pas, mais elle préfère finalement rompre et elle quitte la Russie. Elle va d'abord à Stockholm, commence un périple migratoire, n'est-ce pas, disons, qui la conduit successivement à Stockholm, à Vienne, je crois, à Paris, et finalement à New York, où elle passe la période de la Deuxième Guerre mondiale. Exact. Elle ne revient en Europe qu'en 1947 pour s'établir à Rome. Exact. Et alors, elle qui avait été une figure incontournable de la politique jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, enfin, jusque dans la moitié des années 30, disons, quand elle revient à Rome en 1947, elle est pratiquement complètement oubliée, sauf par les Américains qui essayent de se servir d'elle, n'est-ce pas, pour créer une fracture dans le Parti socialiste italien et créer aussi un parti social-démocrate très pro-américain. Oui, cette fois, l'ex-militant de la gauche du Parti socialiste est utilisé par les Américains pour exprimer à l'intérieur du Parti socialiste, du mouvement socialiste italien, des positions pro-américaines et donc de la droite socialiste. Mais son histoire est vraiment incroyable parce qu'elle reçoit de Lénine un cadeau immense. Lénine l'appelle la moraliste incommode et c'est grâce à cette bonne foi que Lénine lui reconnaît. Et Lénine
a une réelle sympathie pour Angélique. Hein, et il lui fait ce cadeau immense de la laisser partir vivante. Parce que tous les autres qui critiquent le régime soviétique, en 1921, quand Angélique décide de quitter la Russie, les autres ne quittent pas le vivant tranquillement avec un billet de train, au revoir. Hein. Non, les autres sont ou fusillés, ou retrouvés morts, ou mis dans des hôpitaux psychiatriques. Et Angélique reçoit de Lénine cet immense cadeau. Et elle arrive dans en Suède, elle part fin 1921. Et en 24, elle est déjà en Autriche. Vienne est une ville effervescente. Pas encore nazie, Vienne de 24, oui, il y a eu la guerre, mais la défaite autrichienne, mais Vienne, c'est une Vienne intellectuelle. Vienne de Stefan Zweig. Voilà. et elle va ensuite à Paris, vivre à Paris. Et en 1927, elle est à Paris parce qu'elle veut, elle accepte la proposition de certains socialistes français qui sont en polémique avec le mouvement socialiste officiel français et en particulier avec les communistes français pour créer une nouvelle internationale qui évidemment ne voit jamais vraiment le jour, c'est toujours quelque chose tout à fait à l'état d'embryon. Mais elle croit à cette idée, à ce moment, elle est encore socialiste de gauche. Elle croit en socialisme de gauche, en polémique avec les communistes et avec les socialistes qu'elle considère de droite. Enfin, entrer dans ce puzzle de polémique dans la gauche européenne entre les années 20 et les années 30, c'est vraiment compliqué. Mais Angélique se situe, elle croit à un Paris révolutionnaire, socialiste, non communiste, basé à Paris. Enfin, elle quitte Vienne pour Paris. À Paris, elle se trouve très mal. Elle essaie d'entrer dans la dynamique des antifascistes italiennes et n'a jamais. En plus, elle n'est pas italienne, elle n'a pas le passeport italien. Elle est en difficulté, elle est en polémique éternelle avec Nenni, qui fait partie du même parti socialiste qu'elle. Elle dirige, c'est vrai, le quotidien socialiste L'Avanti, qui en réalité n'est plus quotidien, mais hebdomadaire, basé à Paris, destiné aux réfugiés italiens, mais elle ne s'intègre pas dans ce milieu de l'antifascisme italien à Paris. Elle est antifasciste, mais elle n'est pas membre de cette dynamique de coordination antifasciste italienne. Elle a toujours des polémiques qui ont des liens avec le passé, avec des vieilles polémiques d'autrefois. Enfin, à Paris, elle vit plusieurs années, parce qu'elle quitte la France fin 35, en décembre 35, pour les États-Unis, mais sa période à Paris est une période pour elle difficile, c'est des années difficiles, et en réalité, c'est le début de son déclin sur le plan... C'est à partir de là qu'elle tombe oubliée, un peu dans l'oubli, etc. Et quand, alors, on va accélérer un petit peu, parce qu'on arrive à la dernière période de sa vie, donc elle est à Rome, effectivement oubliée, elle meurt en 1965. Voilà. Et à ce moment-là, évidemment, il y a certains mouvements on la redécouvre, notamment le journal Le Monde qui consacre une page récemment, le New York Times, et presque tous les grands journaux italiens. Absolument. Voilà. Mais ce n'est en réalité qu'un feu de paille, parce qu'après, elle retombe dans l'oubli et elle est simplement enterrée à Rome. Personne ne va sur sa tombe. Personne, elle est totalement oubliée. Mais si aujourd'hui on dit Angélique Balabanov, en français, mais aussi en italien, Angélique qui elle est totalement oubliée parce que c'est son idée de cohérence de passion politique qui
qui l'a amené à se disputer avec tout le monde, à dire toute la vérité. Sans rien gagner, hein, de façon sincère. La plupart de sa vie a été dans des conditions économiques vraiment, vraiment très difficiles. Hein. Et sa passion, sa cohérence, son enthousiasme, qui l'a amené à des polémiques avec tout le monde, a été à l'origine de cet oubli. Ouais. De cet oubli. Et la personne qui n'entre pas dans les schémas de l'histoire est malheureusement marginalisée. Elle a été totalement, totalement oubliée, totalement marginalisée. Et moi, j'ai cru bien faire oui, essayant de la ressusciter quelque part. Hein. Votre livre va permettre la redécouverte, effectivement, je pense. Et je vais terminer sur une question un peu personnelle. Est-ce que maintenant que vous avez publié le livre, après toutes vos recherches, est-ce que vous pensez l'avoir connu ? Je pense avoir commencé à connaître Angélica, fille des contradictions de son temps, fille de son temps, fille de son enthousiasme, de sa sincérité, de sa bonne foi. Et aussi de son optimisme. Parce que dans la dernière interview imaginaire, mais avec des tests réels que j'ai fait à Angélica, Angélica termine l'interview, et moi je termine le livre, par un poème qu'elle a vraiment écrit pas mal de temps avant. Et ce poème qui regarde sa mort se termine par une expression d'optimisme et de foi. Elle dit « Vivre, j'ai voulu, et j'ai vécu parce que lutter, j'ai pu, pour la vérité, pour la liberté. Cet espoir a été le soleil radieux qui, par les chemins tortueux de la vie, m'a conduite. C'était ma force, c'était ma fierté. Avec cet espoir, mourir, je veux. » Voilà, c'est tout Angélica. À vrai dire, ce rime que je publie à la fin de ma dernière interview hypothétique Angélica et à la fin du livre ont été par moi traduits en français mais aussi un peu coupés par rapport au texte original qui disait le même concept de façon beaucoup plus tortueuse dans le style d'Angélica qui était quand même un style plus poétique, rhétorique, un peu rhétorique et un peu lourd avec moi je l'ai un peu réduit mais je suis très content d'avoir réduit son texte en ces rimes que je trouve assez efficace. Donc je peux dire qu'elle a écrit ces rimes pour moi lors de la dernière interview. Écoute, merci beaucoup Albert. Grazie, Paolo. C'est vraiment très très intéressant. C'est un personnage fascinant. Et donc, comme la période des vacances approche, on n'en sent pas très loin, c'est un livre à emporter en vacances et à lire attentivement et même avec passion parce que c'est vraiment un livre qui vous prend, n'est-ce pas ? Grazie Paolo, grazie a tutti. Grazie a te.